C'est au son des petits pingouins et des guillemots marmettes et à miroir que le jour s'éveille doucement. On dort encore paisiblement sans savoir ce que la journée nous réserve. Souvenons-nous que les îles du Poalo de Vie est un site patrimonial, en plus d'être un sanctuaire protégé pour les oiseaux. Il est situé en plein milieu du fleuve, ce qui en fait un arrêt incontournable depuis le début du 18e siècle. Le phare est également un gîte touristique. Qui sait, nous y passerons peut-être la nuit un jour. Nous avons une nuit plutôt calme malgré qu'on ait quand même pas mal de vent. Puis que l'alarme Anchor Pro a parti quelques fois parce que j'avais peut-être pas donné assez de jeu à mon cercle de giration. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a quand même passé une pas si pire nuit. Là, on a des vents de 12 à 15 nœuds avec des rafales qui montent jusqu'à 22. Il est 9h du matin, mais on ne part pas avant 1h parce qu'il faut attendre que le courant puisse virer de bord. Donc, puis on va avoir le vent d'en face. Donc, ça risque d'être pas mal rock'n'roll tantôt. Donc là, pour l'instant, on vient de faire un très bon déjeuner avec des crêpes. On lit, on se repose un peu parce que tantôt, on s'en va vers Cap à l'Aigle et ça va être un petit peu plus rock'n'roll. On a acheté le navire. Parce que c'est un navire. Le navire! Robert et Bernard nous ont dit que le feu de mouillage au bout du mât, à leur grand problème, il fonctionnait pas. Mais il s'en était organisé un. On a une prise, on a un fil. On plug ça dans la prise à l'avant. Qu'est-ce qu'il y a au bout du fil? Une lumière! Ah! Donc on la monte tout simplement dans la drisse et ça fait notre feu de mouillage. Ils étaient ingénieux, hein, les messieurs? Très ingénieux. Ouais. En attendant qu'on réussisse à trouver où est-ce qu'il y a le problème, pourquoi que le feu de mouillage du bout du mât fonctionne pas. Petit pied au soleil. Mets tes pieds au soleil, puis le reste à l'ombre. J'ai pas mis de crème. C'est quand même la belle vie, là. Ouais. C'est un peu contemplatif comme vie. Mais pourquoi pas? J'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que ça l'était. Tu sais, dans la vie, ça prend un équilibre. Tantôt on est actif, tantôt on est plus passif. Puis là, on en profite avec un petit livre, puis une petite couverte, puis une petite chaise, puis un petit confort, puis on se fait bercer doucement par le fleuve. Parce qu'ici, c'est le fleuve, hein, c'est pas la mer. Ah, tu veux-tu qu'on prépare la voile aussi? Oui, on va préparer la voile. Donc, on va aller faire ça. On va prendre... Un riz, oui. Un riz? C'est les rafales. Oui, c'est parce que là, on est protégé. Hein? Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on va être mieux de prendre un riz. Parfait. Puis, c'est chaud. Tous les voiliers sont différents. Voici notre recette secrète. Chut! Ne le dites pas à personne. Pour ne pas dépasser les 15 degrés de gîte, il suffit de prendre un riz lorsque le vent dépasse 14 nœuds et d'en prendre deux lorsqu'il souffle à plus de 18 nœuds. Et ce n'est pas une question d'orgueil, mais bien pour la sécurité et le confort. Après tout, c'est de la plaisance qu'on fait. Il y a 25 milles qui nous séparent de Cap à l'Aigle. La décision de traverser la passe de l'île aux Lièvres pour atteindre la rive nord n'est pas encore prise. On se souvient, l'an passé, ça a brassé. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high.
even if the sky is falling down. Au revoir, île du Pau à l'eau de vie. On se revoit l'an prochain. Avec peut-être un petit you-you pour faire le tour de l'île. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know. On s'amuse comme on peut. On est loin d'être malheureux. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Après avoir fait un voie amateur, on a décidé de rester du côté sud de la passe de l'île aux Lièvres et nous revoilà un voilier. Merci de nous suivre d'épisode en épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et de cliquer j'aime pour nous laisser savoir que vous appréciez. Deux petits gestes qui ne coûtent rien, mais qui sont significatifs pour nous. L'archipel Les Pèlerins est composé de 5 îles situées en face de Saint-André de Kamouraska. Il y a le Petit Pèlerin, le Long Pèlerin, le Pèlerin du Jardin, le Pèlerin du Milieu et le Gros Pèlerin. Tout comme Brandy Pot, c'est un sanctuaire protégé pour les oiseaux qui appartient à la Société du Vetnor. Impossible donc d'y mettre le pied. Avancer à moteur, alors qu'il y a du vent, c'est contre nature. Bien malgré nous, ça nous préoccupe, ne sachant pas ce qui en sera pour le reste du voyage. Malgré l'amertume de l'état de la voile, le rayonnement du refuge de Cap Alegre nous réchauffe le cœur.
Bonjour. Un peu plus vers tribord, chérie. Bon. Il y a qu'un peu, mais ça doit être. Ouais. Je vais vous lancer mon. Ouais, je vais vous lancer mon spring. Après la journée mouvementée, c'est le temps de se déposer pour mieux réfléchir à la résolution de notre problème. C'est le retour faire l'équilibre.